Yo tout le monde, est-ce que vous allez bien? Tout à l'heure, j'ai rencontré un SDF là, en sortant du gym. Donc là, on va aller le voir, on va le parler. Je lui ai demandé s'il était d'accord à ce que je fasse une vidéo avec lui. Et il a dit oui. Et puis à la fin de la vidéo, les gars, je vais lui surprendre avec de la thune. Okay? Toute la thune que j'ai sur moi, je vais lui donner. Regardez jusqu'à la fin, c'est très important. Ça va être inspirant, ça va être intéressant et ça va être cool à regarder. Ah. Tu t'appelles comment déjà? Moi, c'est Maestro. Ici, Maestro. Mais ça fait combien de temps que tu es dans la rue? Là, ça va faire 9 mois. C'est ma fête ce mois-ci. Oh shit! Le 23 octobre. Je m'en vais 48 ans. Wow! Puis déjà, j'ai été intervenant de rue ici pour aider un peu le monde, parce que le monde connaît bien Maestro. Puis après ça, je me suis retrouvé dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves toi seul à la rue? C'est quand je me suis retrouvé, c'est parce que j'avais une chambre avec un ami, puis je me sentais pas à mon aise. Alors, il m'a mis dehors, puis je me suis retrouvé dans la rue, ici sur la rue Bourassa, ici sur Croteau. Après ça, les tentes, toutes ont été évacuées, alors j'ai oublié de partir. Je me suis promené un peu au terminus de Longueuil, un peu partout, la place Longueuil, tout. Je faisais des débrouiller, comme on dit, me débrouiller dans ma vie. Tu étais avec un ami, puis l'ami t'a sorti. Sorti, il m'a mis dehors, il m'a crissé dans la rue. Donc là, il faut faire attention aux amis? Parce que maintenant, ben, c'est comme, tu fais attention avec qui tu tiens. Mais là, j'ai des amis, pareil, mais c'est comme, il faut savoir qui c'est avec qui traînait. C'est ça. Wow. Mais aujourd'hui même, lui-même, il est dans la rue aujourd'hui, c'est ça. What the? Ouais. C'est même pas drôle. J'allais rire là, mais... C'est mon ami. Je comprends. So, il t'a mis à la rue? Il m'a mis dans la rue, puis lui, il voulait me reprendre pour payer le loyer. Puis j'ai dit, garde mon grand, tu m'as mis dans la rue, je ne retourne pas chez vous. Il s'est retrouvé lui-même dans la rue, il est rendu avec son frère en logement. What the fuck? Tu demandais de l'argent et tout, hein, mais combien par jour tu peux faire? Là, ça peut aller jusqu'à... Là, j'ai à peu près 40, 50 ici. Par jour? Par jour, 60 même. Puis au terminus, avec bouteille et tout, on fait de 280 par semaine environ. OK. C'est plus t'allais dire par jour? Par semaine. OK. C'est par semaine au terminus, avec les bouteilles puis le quêtage. Tu veux manger quelque part? Hein? Tu veux manger quelque part? Ouais. Ben, je sais pas c'est quoi là? Je sais qu'il y a la poutine. OK. Ah ouais, je la connais. Ouais, c'est bon. T'aimes? J'ai jamais mangé là-bas, c'est bon? Je le connais, oui. Je prends mon café là tous les matins. À la poutine là-bas? Ouais. C'est quoi la meilleure poutine que tu as mangée? Ah mon Dieu, c'est Highway. Ou Benny. Benny et quoi? Benny, toujours. Oh, j'aime pas trop celui-là. Mais c'est parce qu'à 25 piastres, la poutine, là, t'es mieux de la. C'est ici. C'est là? Si, ouais. Ouais, on y va. Je le connais bien, pas vrai. Ok. Café? Non. Tu veux prendre quoi? Peu importe. Mais moi, j'aurais pris une bonne poutine avec la poutine roulée. Ouais, la poutine, ouais. Ça ferait bien. D'accord, ben prends-la. Fais-moi une bonne poutine, mon ami, avec un Pepsi. Poutine, Pepsi. C'est mon ami ici. J'ai pas envie de prendre un gros truc. Est-ce qu'il y a des hot dogs ici? Je vais prendre un hot dog. Il y a des hot dogs. Je vais prendre un hot dog. Combien? Un? Un, ouais. Non. Tu vas en prendre un aussi? Ok, deux. Deux hot dogs. C'est de chez. C'est savon ici, c'est pas ça. Moi, j'adore ici, c'est l'accueil. Je connais des magasins où une poutine, c'est genre 15$. Ah, mon ami. Ça fait longtemps que je viens ici. Ok. Avant monsieur, je pense. Même avant qu'il soit là? Même avant qu'il soit là, tu viens ici? Oui, je viens ici. J'avais grandi, je venais ici avant. Ici, il y avait un Hy-Vee avant. Au début. Là. OK. C'était pas là alors? Non, mon ami. On parle des années 90. Oh, j'étais jeune. T'allais à quelle école secondaire? C'est Gérard Filion, Jacques Rousseau. Moi aussi? Gérard Filion, j'ai été là en 90. Je faisais du rap un peu avec des amis. Puis c'est là que j'ai commencé à aimer MC Hammer. J'ai beaucoup aimé. Alors tu vois, tout à l'heure, après la poutine, tu vas faire un freestyle. Ah non. Un petit freestyle là. Ça fait trop longtemps, je suis un peu vieux là. N'oublie pas les gars, à la fin, je vais le prendre avec la thune. Hein. À la fin, je vais lui donner de la thune. Donc. Yo, il est vraiment cool hein, les gars, je sais pas comment dire. C'est bon? Sur 10, tu donnes combien? Une autre sur 10. 15. 15 sur 10? Vraiment. Les gars, il va falloir que j'achète ça bientôt là. Il a dit 15 sur 10 donc. Moi, j'en prendrais une au poulet. C'est au poulet? Au poulet, il y en a. Tu as le choix? Poulet végétal, italien, le poulet. Ouais, je vais bientôt revenir, les gars. On va manger ici. Ah, c'est très bon ici. Very good. Bon, moi, je vais manger mon hot dog, là. On va goûter ça. Moi, ce que j'aime ici, déjà, je rentre, là, puis le matin, ils savent qui je suis. Puis, directement. Quand tu es habitué de voir, là, ouais. Ils t'adorent, ils t'apprécient, puis même, il y a beaucoup de monde qui parle de la foi, de Jésus, de Dieu. C'est sûr que je ne suis pas beaucoup catholique, mais des fois je pense à lui. J'espère qu'il peut penser à moi tous les jours que je me lève. Okay. Tu crois, t'es pas trop catholique, c'est ça? J'essaye. Non, je ne veux pas trop le montrer, mais je le crois en lui.
Bon, les gars, à mon tour de manger. On va goûter ça. J'arrive ici tous les matins à 7-8 heures. Même les policiers, je les connais. La mairesse ici, Mme Fournier. T'es là depuis longtemps, là. Oh. Wow. J'ai grandi ici. Ça. J'ai connu tout le monde en grandissant. Et quand la mairesse a dit qu'elle veut nous aider, puis tout, mais elle ne peut pas nous aider pour de vrai. Elle essaie de faire son mieux, mais elle ne peut pas toujours faire tout. Aider tout le monde. C'est ça. L'endroit à côté de l'église, là, où il y avait plein de temples, là, j'ai déjà passé à côté là une fois, en voiture. Parce que je comptais donner de l'argent. Là, il y a un monsieur qui est venu me voir et a dit, hey, prenne pas trop ici, c'est pas une bonne idée. Mm-hmm. Il y a vraiment des problèmes de drogue et tout là-bas. C'était fou. C'était genre, il y a comme quelques mois, là. C'était comme si c'était nos portes d'ouvert, nous autres. Là. C'est notre marché. Le marché noir et le marché blanc, c'est pas la même chose. Là. C'est différent, à mon avis. C'est très différent. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai deux enfants. Un de 28 et un de 23. La famille, c'est comme ça. Ouais, la famille, c'est là. C'est ça. Les ex, madame. Vous avez combien? Il y en a une qui travaille ici à Tabagy, puis elle m'a laissé. Elle a travaillé juste là. Wow. Ouais. J'aime ça la voir tout le temps. C'est son sourire que j'adore voir. Oh, Reese, double Reese. C'est vraiment une demoiselle que j'aimerais, mais elle sait que je suis quelle vie que je vis. Puis... Si elle vous dit de venir dormir avec elle, comme chez elle, vous y irez ou pas? C'est sûr, mais elle habite avec ses parents, c'est ça qui est important. À quel âge? Ma mère a pris. Elle a 42. Elle habite avec ses parents? Mm-hmm. C'était quoi vos rêves quand vous étiez plus jeune? Comme, les rêves que vous avez de. Quoi? Devenir millionnaire? Quoi? Ah ça, ben, la millionnaire, là, c'est l'argent qu'on a, là, mon ami, c'est le cas qu'on a au cœur. Ça, c'est le plus gros argent que tu peux pas avoir. Puis quand t'as le cœur ouvert, tout le monde le voit. Tout le monde est fier de venir de proche de toi. Ouais. On a le sang. Ouais, ouais. On est bien avec toi. Quand on est avec quelqu'un, moi je me sens ouvert, mais je suis capable de parler, j'ai pas peur. C'est quoi votre plus grand rêve quand vous plus jeune? Le rêve que vous avez quand vous aviez 16, 17. C'est sûr que j'ai fait un peu mes rêves que je voulais. Uh-huh. Comme je voulais être spectacle, dans un spectacle, là, j'ai fait ça. Uh-huh. Mais je dirais qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de bien grand-chose. J'ai tout l'entourage de tout le monde, même si je les connais pas. Parce que le monde, ils savent que Maestro est une bonne personne, c'est pas quelqu'un de méchant. Il y aurait quelque chose, mais la police ne pourrait pas dire que je suis une personne méchante. Mm-hmm. Wow! Tantôt, ils ont été là, puis ils m'ont dit bonjour, ça va bien, Maestro? Puis... J'ai pas à me cacher. Mm-hmm. J'ai pas de crainte à ça, mon ami. Je suis fier de ce que je suis, mais c'est sûr que c'est pas le bonheur à tous les jours. Là. Je vous pose une question. Quand une personne à la rue est malade, est-ce qu'elle va à l'hôpital et se fait soigner classiquement ou comment ça se passe? C'est pas la vie. C'est déjà difficile moi-même que je sais pas. J'étais même pas dans la rue. Puis j'avais encore de la misère à aller voir un médecin. Alors imagine-toi, c'est. Ici, le cinéma, ça a toujours été. Ça a toujours été là? Wow. Je venais écouter mes premiers films ici en 70-80. Je l'ai même pas encore né. Hein? Je t'ai même pas encore né, bro. Je suis né en 76. Hein? 76? Ouais. Wow. Je suis né en 76. Le cinéma ici, là. Les Olympiques. Les Olympiques, ouais. Les Olympiques de Montréal. Uh-huh. Ouais. On va dire tout ça, OK? Là, on va sortir. Je pense qu'on va, passer à lui donner de la thune, là. Et vous allez voir comment je vais lui donner tout à l'heure. Vous allez voir. Là, j'attends. Il est en train de faire son change, là. J'attends. J'ai 40. T'as combien? 35. 35 dollars? Hein? Et c'est quoi ton objectif pour aujourd'hui? 40 environ. Pour la journée, 40 dollars? Ah ouais, non. 40 dollars, tu seras content? Ouais. OK. 35. C'est déjà bien. Je pensais même pas que ma journée serait mauvaise. C'est une bonne journée ou pas? C'est une bonne journée, certain, mon ami. OK. Donc, tu vas encore rester ici toute la journée? Un peu, puis ça va finir là? On va finir ça. OK. Moi, ça me va, moi. Attends, est-ce que tu peux fermer tes yeux? Oui. Donne ta main. Ouvre tes deux mains. Mm-hmm. Prends tes deux mains, OK. Prends ça. Wow. Merci, mon frère. C'est pour toi, bro. Maestro. Ouais. T'as vraiment un bon cœur, man. Merci, mon frère. T'as vraiment un bon cœur. T'es vraiment sincère. Je veux la voir, la vidéo, moi, c'est sûr. OK. Quand tu parles, ça se voit que t'es vraiment... T'es pas fou. T'es pas
profond, t'es vraiment vrai. Comme quand tu parles, je le ressens. Je le ressens. Je le ressens. T'as vraiment une richesse que beaucoup n'ont pas, tu vois. C'est vraiment cool. Ça, c'est une action que j'ai faite, que beaucoup aussi pourront faire, tu vois. Et beaucoup aussi ont été inspirés par ça. Je sais comment c'est. Je le sais. Puis je suis content parce que le monde va savoir pareil. S'il y en a qui me connaissent, ils vont en marquer. Ouais, c'est ça. Ils vont te l'écrire. Hey, Maestro, ils te connaissent. Ouais, c'est ça. Les gars. Je suis une personne qui est quand même assez ouverte. Je sens. On me sent. Le monde n'a pas peur de s'approcher de moi. J'ai perdu ma job, mais mon boss passe des fois en camion. Ouais. Il t'a sorti, il t'a juste dit. Il m'a dit quitter parce que lui, il a pris des Mexicains comme engagement. C'est moins cher pour tout le monde. C'est pas cool ça, bro. C'est vraiment pas cool, les gars. Mais quand il arrive ici, une fois, je l'ai vu, il a arrêté, il m'a donné un paquet de cigarettes, il m'a donné de l'argent. Alors, il est pas méchant, mais il sait que je. Parce que lui, il avait juste pas besoin de toi, c'est ça? C'est ça. Non, bro, ça c'est. Mais sur un coup, ça se dit, dis les dents plus poliment, ça va être plus. Il avait trouvé deux personnes. Des Mexicains. Il avait. Il a engagé des Mexicains. C'est vrai que c'est des durs travailleurs, les Mexicains? Ils lâchent pas. Je vois beaucoup de vidéos et tout. Il est 8 heures le soir, puis ils vont continuer encore. C'est ça, j'ai vu des mimbos. Moi, j'ai dit, les Mexicains, c'est des durs travailleurs. Arrête, là, c'est fini. Capote, arrête, arrête. Ils continuent. Puis ils vont continuer encore et encore. Et l'emploi, aujourd'hui, je suis plus capable parce que je suis très fatigué. J'ai mal partout, mon ami, c'est fou. Je peux pas savoir comment j'ai mal partout, mon ami. Donc sinon, voilà, Maestro, beau. J'espère te revoir encore. Sure. Je te revois, bro. Je suis toujours là. Je vais me préparer mieux. Dites bye bye à Maestro. Pensez à vous autres. S'il y en a qui n'ont pas bien vu, je vais donner $50. J'avais $50 sur moi. Mais en vrai, j'avais genre 60 et quelques sur moi. C'est comme ça que j'ai fait pour pouvoir payer la poutine, la boisson, puis lui donner ce qui restait sur moi, quoi. Donc j'avais juste à peu près $75 sur moi. C'est tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui, là. Comme j'ai utilisé toute la thune que j'avais en cash sur moi. J'espère qu'il y en a qui ont été inspirés pour pouvoir. Sortir et la prochaine fois qu'ils vont voir des sans-abri, ils vont leur donner de la thune. Peu importe ce que tu as, vide tes poches, ok? $20, vide tes poches. $30, vide tes poches. $40, vide tes poches. Tout, vide. Ok, je rigole là. Juste donner un petit quelque chose, vous voyez, ça peut aider. Vous voyez, il y en a qui pensaient qu'ils donnaient $2, $3, $4, ça l'a aidé. En vrai, si vous voyez des sans-abri, les gars, pensez à cette vidéo-là et donnez-lui de la thune. Ça va l'aider. Ça va l'aider. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous demander de liker, de partager la vidéo. Et je vais vous demander à peu près 350 likes pour cette vidéo. Seulement. C'est tout ce que je vous demande. 350 likes. Peace!